Bon, hey! Ah merde! Pas grave. J'ai pas une mise à jour, c'est pas grave. Attends, c'est quoi la mise à jour? C'est quoi la mise à jour? C'est peut-être. Ah bon, bon. Si ce n'est que ça. Ouais, donc, comme j'ai marqué en titre ce mixeur. J'ai hâte d'y diffuser les 4 jeux que j'ai mis. C'est-à-dire Garfield Kart. Garfield Kart, Asterix XXL2, Titeuf Mega Party et Star Wars. Mais bon, ce que j'ai vraiment, vraiment hâte de faire, c'est les 3 autres. Star Wars, bon. Je vais pas dire que j'ai pas hâte de streamer dessus, hein. Mais bon, un peu moins. Je pense d'ailleurs que je vais peut-être télécharger en premier Asterix XXL3. Je pense. J'ai adoré le 2. Parce que le 2, en fait, j'ai l'impression qu'il se fout de la gueule de. J'ai l'impression qu'il se fout de la gueule de certains jeux qui étaient sur PlayStation. Ouais, il se moque un peu, quoi. C'est un peu comme Skyrim, oui, pareil. C'est un peu comme tous les Sky Movie, ils se foutaient de la gueule des films. Bah, Asterix XXL2, enfin je sais pas le 3, mais le 2 c'était un peu idée, quoi. C'était un peu idée. De se moquer, peut-être pas méchamment. Peut-être pas méchamment, mais de se moquer. Je pensais pas que c'était fait méchamment. Je pense que c'était fait. C'est pas fait méchamment, c'est fait. Voilà quoi. Puis maintenant, je regarde plus les autres streamer ce mixeur, hein, comme je faisais avant sur mon téléphone. Si c'est pour m'en prendre plein la tronche, hein. C'est bon, hein, maintenant. Si franchement c'est pour m'en prendre plein la tronche, pas la peine. J'en ai marre de me faire insulter.
J'en ai marre de me faire insulter, de me faire bannir pour des. De me faire bannir pour des choses que je dis pas. Pour des propos que je dis pas, que je tiens pas non plus. Donc j'en ai marre, voilà. J'en ai ras la casquette, donc voilà. À un moment donné, si les mecs ils comprennent pas que j'ai le droit tout comme eux de streamer ce mixeur et que j'ai le droit tout comme eux de streamer mes jeux ce mixeur. Et je pense que je suis en droit de demander de le faire dans de bonnes conditions. Si maintenant ils veulent pas le comprendre, bah. Si maintenant ils veulent pas le comprendre, bah voilà. Hein. S'ils croient qu'il y a que eux qui ont le droit de streamer, bah. Dommage pour eux parce que. C'est dommage pour eux parce que voilà. Ouais. En arriver à faire ça. En arriver au point de. En arriver au point de, comme ils sont arrivés avec moi. Voilà quoi. Là en fait ce mixeur j'ai l'impression que quand je mets un pied sur le. Quand je mets un pied sur leur live, bah, j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc que j'ai. Il y a un truc que j'ai dit. Pas. Que quelqu'un de moi derrière mon dos dit que j'ai dit un truc ou que je l'ai pas dit. Ah, c'est un peu le chien qui mange sa queue, quoi. C'est un peu. Ah bah il a dit ça, il a dit ça. Ah, sauf que j'ai rien dit quoi. Sauf que j'ai rien dit quoi. Mais bon. L'impression que c'est un peu le. L'impression que mon histoire, c'est un peu comme le chien qui crie au loup. Celui qui crée le loup et puis que en fait y a pas de loup. C'est l'impression que ça me fait quoi. C'est donc ça c'est comme une fois ça m'est arrivé au lycée dans mon lycée une fille qui a prétendu qu'un gars l'avait violée alors qu'il y a pas de viol mais la fille elle était tellement persuasive que ça a failli se terminer au tribunal pour un truc que le mec avait fait quoi. Et manque de bol pour elle, moi j'étais là. Manque de bol pour elle. Moi j'étais dans un tunnel en train de faire ce qu'un prof m'avait demandé de faire et. Mais ce qui est complexe, c'est que moi j'ai tout vu. C'est que moi j'ai vu la scène. Et il l'a pas du tout violé. Au contraire, il l'a repoussé. Il a fait tout le contraire, il l'a repoussé. C'est elle qui voulait le briquet. Et lui il l'a repoussé. Et comme c'est une fille qui n'aimait pas se faire repousser, bah elle a inventé cette histoire de viol. En plus elle a fait des choses. C'était vraiment une vicieuse. Hein. Elle avait trouvé une de ses culottes où elle avait mis du sperme sur la culotte en disant que c'était le sperme du mec. Alors que le mec il avait rien fait quoi. Le mec il voulait pas la. Bah, il voulait rien faire quoi. Juste parce qu'elle s'est fait repousser. Elle a été inventée cette accusation de viol. Et ça a failli aller loin, hein. ça a failli aller très loin cette histoire. Hein. Ça a failli très très loin se terminer pour le. Bah pour. En plus c'était un copain à moi. Ça a failli très mal se passer. Hein. Ça a failli se terminer aux assises, au tribunal et tout. Hein. Et c'est pour ça que quand on raconte des conneries comme on le fait avec moi ce mixeur. Comme ils s'amusent à le faire avec moi ce mixeur, ils prennent pas conscience de la gravité des choses quoi. Parce que là ça va, ils disent des choses, ils font croire aux autres que je balance des choses sur leur chaîne. Mais si ça se trouve un jour ils diront. Si ça se trouve un jour ils iront plus loin que ça, ils iront bien plus loin que ça. Et ça risque de moi je risque de m'en prendre plein la gueule pour des trucs que j'ai pas dit quoi, pour des trucs que j'ai pas dit ou que j'ai pas fait. Et ça risque d'aller très très loin quoi. Moi je peux dire que ce qu'un copain à moi a vécu dans mon lycée, je prends ça comme référence parce que c'est grave, c'est très grave d'accuser quelqu'un d'avoir dit quelque chose qu'il a pas dit et que en plus ce mixeur ce qui aide pas c'est que
En plus, sur ce mixeur, ce qui n'aide pas du tout, c'est que bon, moi ça va, je bon, moi ça va pour me couvrir. J'ai toutes mes rediffusions qui peuvent être, j'ai toutes mes rediffusions qui peuvent être regardées. Ils ont juste à aller sur mon profil et puis voilà. Donc je suis couvert à ce niveau-là. Mais il y en a qui pensent pas à activer ça dans les paramètres. Et les mecs, et ces mecs-là, ils sont dans, ils peuvent être dans une merde, mais dans une merde sacrément noire, quoi. Le mec, il peut dire, bah tiens, il s'est masturbé devant la caméra. C'est pas vrai, il l'a pas fait, hein. Il a rien fait de tout ça, mais ils peuvent faire croire tout à, ils peuvent faire croire vraiment n'importe quoi à n'importe qui, quoi. Et là où c'est dangereux, c'est que ce mixeur, là où c'est dangereux, c'est que ce mixeur, il gobe tout, quoi. Comme on dit, il gobe la ligne, il gobe le son, il gobe tout, quoi. Il gobe tout. Et c'est dangereux. Et c'est très dangereux parce que si le mec il a rien à se reprocher, si le mec il a strictement rien à se reprocher, qu'il a strictement rien fait, c'est grave, hein. C'est grave. C'est grave, hein, de faire ça, c'est grave. C'est grave. Franchement, de faire ça, c'est grave, hein. C'est grave. C'est grave et puis ça peut. C'est grave d'une part et puis ça peut très mal se passer, hein. Très mal se terminer. Hein. Ça peut être très mal se terminer. Ça peut être très mal se terminer. Mais ça, ils s'en foutent, hein, les mecs. Ouais. De toute façon, ce mixeur, j'ai l'impression que plus ils peuvent te nuire, et plus ça s'arrange. Mais bon, me nuire moi, je vois pas trop. Me nuire moi, je vois pas trop en quoi, quoi. Je vois pas ce que je leur. Je vois pas qui c'est que j'ai fait peur à ce point-là, ce mixeur. Pour en arriver à raconter de telles conneries sur moi, quoi. Ouais. À faire croire de moi aux autres que je dis des choses que je dis pas. Et ça, c'est grave, hein, c'est grave. Hein. C'est très grave, ça. C'est très grave. Et le problème, c'est que ce mixeur, bah, on est. Le problème, c'est que ce mixeur, Le problème, c'est que ce mixeur, on est impuissant contre ces gens-là. Ce mixeur, on est complètement impuissant. On est impuissant. On va dire quelque chose, on va se faire. On va dire quelque chose, on va se faire. On va essayer de dire aux autres que c'est pas vrai, qu'on n'a pas dit ce qu'on a dit, et puis. On va s'en prendre plein la tronche, quoi. On va s'en prendre plein la gueule, quoi. Enfin, moi, je m'en prends plein la gueule pour des trucs que j'ai pas dit, quoi. Donc c'est grave, hein. Je le redis, mais c'est grave, c'est grave. Ce que j'ai peur c'est que qu'est-ce qu'ils vont inventer la prochaine fois, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont inventer, qu'est-ce qu'ils vont encore dire aux autres que j'ai dit ou que j'ai fait, que j'ai dit ou que j'ai fait, qu'est-ce qu'ils vont inventer, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont inventer, j'en sais rien. Et puis à vrai dire, j'ai pas vraiment envie de savoir. J'ai pas envie de savoir. J'ai l'impression que c'est un niveau. J'ai l'impression que c'est un nouveau niveau, ça, j'ai l'impression.
J'ai l'impression que c'est un nouveau niveau, ça. Il me dit trop rien, ce niveau-là. Il me dit trop rien. Pas ça me rappelle rien. Pas il me rappelle rien, ce niveau. Il me rappelle rien. Pas ça me rappelle rien. Ça me rappelle rien. Thank you.
J'ai l'impression qu'ils ont ajouté une nouvelle carte. J'ai l'impression qu'ils ont ajouté une nouvelle carte. Ah, c'est une impression. Je sais pas si c'est une impression. Si c'est une impression. Je sais pas si c'est l'impression que j'ai. L'impression que j'ai. Merde.
Willkommen zurück, Soldat! Danke, Soldat! D'entre eux, continuez le combat.
Oula.
perdu notre premier soldat. Oui, quoi ? Non, mais c'est pas. Quoi ? Tu veux que je l'appelle ? L'ennemi a maintenant le dessus. Faut que ça change. Thank you.
Thank you.
allez, j'arrête là. Ouais, j'arrête là. Hop, arrête là. Hey, hop, j'arrête là. J'arrête là.